Le nouvel entraîneur de Ronaldo a enfin été officialisé et une autre officialisation devrait également arriver dans les prochaines heures. Je vous en parlais depuis un moment, l'ex-entraîneur du club brésilien Luis Castro est officiellement le nouvel entraîneur du club d'El Nasser d'Arabie Saoudite. Il a été annoncé par le club sur les réseaux sociaux en ce jour à l'occasion de son premier entraînement dirigé avec l'équipe première au Portugal. Pour rappel, l'ensemble de l'effectif, mis à part les internationaux, sont actuellement au camp d'entraînement du Portugal qui a débuté le 3 juillet et qui se terminera le 21 de ce même mois. 4 matchs amicaux sont prévus sur cette période, notamment face au Celta Vigo et face au Benfica auxquels Ronaldo devrait participer. Et donc, concernant Luis Castro, pour le présenter rapidement, il faut d'abord dire que c'est la recommandation du GOAT en personne. Il a eu de bons résultats au Brésil et je trouve personnellement qu'il a un certain charisme qui montre qu'il va travailler sérieusement et tirer le meilleur de cette équipe. Ensuite, revenons à l'officialisation imminente dont je vous parlais en introduction, on en parlait de lui aussi les jours qui ont précédé, le milieu terrain ivoirien de Lens, le très fort Seko Fofana devrait rejoindre El Nasser officiellement sous peu. Les deux clubs lensois et saoudiens ont enfin réussi à trouver un accord autour des 20 à 25 millions d'euros de montant pour la vente. C'est ce que disent en tout cas certaines sources auxquelles on devrait pouvoir faire confiance. Franchement, un milieu Brozovic-Fofana, si ce n'était pas à El Nasser mais dans un club d'Europe, on en parlerait comme un top milieu mondial, donc ça promet du lourd. Si El Nasser réussit encore à ajouter au cours de ce mercato un top gardien et un top défenseur à l'équipe, alors là je pense qu'ils seront de vrais concurrents pour tous les trophées et notamment celui de la Ligue des Champions asiatiques. Enfin, pour conclure, comme d'habitude, je vous tiens au courant dès lors qu'il y a du nouveau et surtout des officialisations, donc activez la cloche et laissez un like pour ne rien rater.